continuation du travail que je fais sur la maladie de mon frère, sur mes relations avec mon frère et tout ça, oui. C'est vrai que c'est de toute façon quelque chose sur lequel je continue à travailler, même si c'est pas une formulation très jolie de dire ça à propos d'un frère malade, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille continuellement, auquel je pense continuellement, et je réfléchis au fait de transposer ça dans ma matière, qui est celle du dessin. Avoir un autre regard, oui, parce que le homal, c'est quelque chose que j'ai fait déjà depuis un certain temps. Le retoucher, non, je n'ai pas du tout retouché. Là, je vais commencer à travailler sur la refonte de Babel que j'avais sortie chez Vertige Graphique, qui va ressortir à l'association, et qui est ma façon de revoir, de retoucher, disons, des choses que j'ai pu dire dans le homal, de les préciser, de les continuer, justement, là, sous forme de bande dessinée. Et de toute façon, c'est un travail, oui, que je continuerai, je pense, toute ma vie. Je n'en finirai jamais. Comme le mystère reste entier sur la maladie de mon frère, je continuerai à réfléchir là-dessus et à essayer de trouver des solutions graphiques à ce problème. Quand j'en ai l'occasion, oui, je vais pas voir des médecins tout le temps pour essayer de savoir, mais à l'occasion, quand je rencontre des médecins, oui, je pose la question. Hier, il y a un médecin qui est venu se faire dédicacer mon livre, on a parlé un petit peu là-dessus, quoi. Et puis, il me disait, alors, votre frère, où il en est? Je lui disais, il n'est pas très bien, quoi, ça c'est clair. Il m'a dit, oui, de toute façon, à ce stade-là, maintenant, c'est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, il y a trop de séquelles, il y a trop de... Donc voilà, enfin, ça, je le sais, on s'en doute bien, quoi. Mais après, c'est la grande question, c'est d'où ça vient, d'où est venue sa maladie, et c'est là où on n'a pas de réponse. Et où la médecine peut-être n'a pas de réponse, parce qu'effectivement, il y a des sortes d'épilepsie qui semblent être celles qu'a mon frère, dont on ignore la cause. On peut le savoir, ça c'est un médecin qui me l'avait dit aussi, faut prendre la personne, lui ouvrir le crâne et regarder dedans. Il doit forcément y avoir quelque chose. Mais comme mon frère est toujours vivant, on ne peut pas faire ça, évidemment. Donc voilà. Et je crois qu'il est aussi insaisissable que les causes de la maladie de mon frère. C'est un peu pour ça que je fais se côtoyer les deux figures, que je les oppose, que je les rapproche. Le roi du monde, en fait, c'est une figure mythique sur laquelle René Guénon, l'ésotériste René Guénon, a écrit un livre dans les années 20, qu'il a appelé « Le roi du monde », justement, pour faire un peu le point, disons, sur ses connaissances autour de ce personnage qui est censé être un roi qui régit le monde. C'est une notion qui vient de la mythologie indienne, qui dit qu'il y a des rois, des souverains, qui ne vont pas être forcément les plus grands souverains du monde, mais qui ont une manière de gouverner leur royaume, qui fait qu'ils sont très exactement des rois, des souverains, et qu'ils vont incarner la royauté parfaite, d'une certaine façon, à leur époque, dans un lieu donné, sans forcément être les rois de toute la planète. Donc ça peut être un obscur petit roi Raja indien dans sa jungle, s'il a d'une certaine façon le mandat du ciel et tout ça. Et c'est pas forcément un roi qui est bon, généreux, gentil avec son peuple et tout ça. C'est pas ça du tout. Ça peut très bien être... il doit manifester une autorité de toute façon. Hein. C'est au-delà des notions de bien ou de mal, de tyrannie ou de quoi que ce soit. Quoi. Alors après, René Guénon donne quelques figures, je sais pas, le roi Arthur par exemple, dont il parle, Alexandre le Grand à un moment. Alors là, il donne des grandes figures, si vous voulez, mais le roi Arthur, on ne sait même pas s'il a existé. Mais et puis c'était finalement un petit roi d'une petite partie de l'Angleterre au VIe siècle. Il n'a pas régné sur la terre entière, mais il se trouve que son règne après a grandi de façon littéraire et qu'il peut incarner quelque chose de la royauté du monde à son époque, selon les ésotéristes. Hein, tout ça, c'est évidemment des croyances ésotéristes. Si on ne les partage pas, voilà. Mais moi, je me souviens avoir lu ce livre quand j'étais adolescent
Et ça m'avait beaucoup frappé. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est plein de mystères, justement, parce que le livre de René Guénon est un livre très ouvert. Il dit. Il suggère beaucoup plus de choses qu'il n'en dit. Et du coup, ça renforçait tout le mystère qu'il pouvait y avoir autour de ce personnage dont il fait absolument pas le tour. On reste à la fois sur sa fin et en même temps émerveillé de toute la quantité de possibles qu'il y a encore derrière ce livre. Et puis ce côté du roi du monde, c'est-à-dire d'une espèce d'autorité absolue, de quelqu'un qui a un pouvoir absolument énorme face à mon frère, qui est quelqu'un qui a perdu tout son pouvoir, toute sa force, toute son énergie à cause de sa maladie. C'était un peu cette façon de confronter ces deux personnages, sachant que le roi du monde, justement, dans la mythologie, il peut perdre son pouvoir d'un jour à l'autre. C'est-à-dire, si la divinité lui retire son mandat, il peut la perdre. Il n'est pas roi du monde à vie et éternellement. S'il fait des bêtises, c'est fini. Et donc, il y a aussi cette notion de chute dans le roi du monde et qui correspond évidemment à mon frère, à ses crises d'épilepsie, au fait qu'il tombait, oui, chaque jour. Enfin, physiquement, il tombait par terre. Il y a tout ça qui se mélange et qui peut rapprocher aussi ces deux personnages. De mon frère, disons, les premières années de notre vie, je me souviens, il n'était pas malade. Et puis, c'était le grand frère. Moi, je l'admirais. Il y avait un côté roi, justement. Enfin, c'est que mes parents l'aimaient beaucoup. Tout ça, c'était un peu le chouchou. Puis après, il est devenu le chouchou parce qu'il était malade, justement. C'était autre chose. Parce qu'il a perdu tout ce pouvoir. Mais quand on était petit et qu'on jouait, bon, c'était lui qui dirigeait les jeux, on va faire ci, on va faire ça, tata, c'est moi le chef, c'était. Puis bon, ma sœur et moi, on était d'accord, hein, c'était normal. C'est-à-dire, j'utilisais des techniques, et puis je faisais par exemple, j'utilise en fait des techniques assez différentes dans le livre. Je peux vous montrer, bon, il y en a qui sont. Par exemple, là, c'est dessiné au crayon. Et là, c'est juste du lavis avec un peu de crayon de papier. Celui-là, ça va être de la plume, travaillée avec des petites hachures comme ça. Et là, par contre, c'est des lavis avec des rehauts de blanc. Là, il y a un personnage, là, il y a plein de petits visages. Ici, c'est juste des taches. Enfin, il y a des choses très différentes. Donc, je travaillais. Quand je travaillais une technique, j'avais envie de l'approfondir un peu, donc je faisais par exemple un portrait de mon frère, puis après je me disais, tiens, je vais faire une sorte d'équivalent du roi du monde, et j'en faisais un dans la même technique, après je reprenais un autre dans la même technique. J'ai beaucoup travaillé comme ça en fait, je faisais un portrait de mon frère, un du roi du monde, un de mon frère, un du roi du monde, et passant d'une technique à l'autre, ou mélangeant des techniques. Et ça s'est fait plutôt comme ça, quoi. C'était pas. Après, dans le livre, j'ai réparti les différents portraits une fois que j'ai eu tout terminé, mais pas en les regroupant en fonction des techniques ou de la date à laquelle je les avais faits. Tout ça, j'ai donné un autre ordre qui me semblait justement qui se complète ou qui s'oppose justement. Au début, en fait, moi, quand je les ai dessinés, je pensais vraiment faire deux panneaux qui seraient mis face à face dans les lieux d'exposition, comme ça. Moi, je pensais faire un. J'ai fait donc ces 36 portraits, il y a des nombres absolument égaux. Les dessins font tous la même taille, donc c'était de faire un espèce de carré 6 sur 6 avec les portraits, et puis 36 d'un côté, 36 de l'autre. Et puis il se trouve que les lieux d'exposition, ils n'ont pas forcément la possibilité d'exposer les choses comme ça. Donc là, à Colomiers, ils m'ont proposé autre chose, une autre installation, que j'ai trouvé très bien aussi. On avait fait 3 ou 4 lignes, je me souviens, comme ça. Et ça fonctionnait très bien. Donc du coup, je me suis dit, oui, c'est intéressant en fait d'adapter à chaque fois, d'avoir toujours cette opposition, mais de l'adapter en fait au lieu d'exposition. Par exemple, là, le week-end prochain, l'expo est au Sable d'Olonne, au Centre d'art des Sables d'Olonne, à l'abbaye de Sainte-Croix. Et là, ils seront sur une ligne, il y aura 36 sur une ligne, 36 de l'autre, comme ça.
Et à Paris, l'expo sera à la galerie Anne Barrault l'année prochaine, fin janvier prochain. Et là, ce sera encore un autre accrochage. Je ne sais pas ce qu'on fera, ça dépend. Mais voilà. Donc, ça, je trouvais ça intéressant aussi qu'après ça évolue et que cette expo prenne un nouveau visage à chaque fois. Ça me plaisait bien, quoi. J'utilisais les visages pour représenter, ben, mon frère, évidemment, un visage. Donc, je voulais le représenter et voilà, ça partait de là. Après, le roi du monde, ben, il n'a pas de visage, justement. Donc, l'intérêt, c'était de lui en donner un. Et c'était cette espèce de travail d'un côté sur une personne concrète, donc qui est mon frère, donc je connais les traits qui ont évolué. Je le connais évidemment depuis qu'il est tout petit, et puis maintenant il a un visage différent. Il a vieilli comme moi, on a changé, il a eu la moustache, il n'avait plus de moustache, il a eu des cheveux, il n'en a plus. Enfin, donc c'est tout ça que je voulais rendre un peu. Et puis après, le roi du monde, ben, on ne sait pas. Alors il y a toujours l'image du roi avec sa couronne sur la tête, et puis après, bon, on va faire autre chose. Et puis, bon, il peut avoir un visage d'animal, il peut avoir deux visages, trois visages, plein de visages, pas de visage du tout, juste des yeux, juste un nez, et ainsi de suite. Et puis quand j'étais petit, mon père était abonné à la revue Planète. Et les couvertures de la revue Planète étaient très caractéristiques. Et moi, elles m'impressionnaient beaucoup quand j'étais enfant, parce que c'était toujours des visages, justement, qui étaient pris sur toutes sortes d'œuvres d'art ou de créations, des sculptures en général. Alors, soit des sculptures de l'art classique, de la Grèce ou du Moyen-Âge occidental, ou d'art asiatique, des Bouddhas, des choses comme ça, ou des masques africains ou océaniens. Ça pouvait être des statues aztèques ou incas, des choses comme ça. Enfin, c'était justement un espèce de panorama de toute la création humaine dans le monde entier. Et ils étaient en deux couleurs, je me souviens, un peu teintés comme ça. C'était très impressionnant quand j'étais gosse. Ça, bon, évidemment, c'était une revue qui avait un peu une aura de mystère, de choses comme ça et tout. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup la regarder. Je ne la lisais pas, mais j'aimais beaucoup regarder. Elle était très illustrée. Il y avait beaucoup d'images, et des images qui étaient très, très bien choisies. Enfin, l'iconographie était très impressionnante pour un enfant, quoi. Et je pense pour des grands enfants aussi, qui étaient les adultes qui la lisaient. Et je sais que ça m'est vraiment resté, ce truc-là. Là, en tant que dessinateur ou qu'éditeur, c'est une revue qui m'a impressionné, parce que la maquette était très bien aussi. C'était très agréable. Après, j'ai lu, c'était très agréable à lire, et elle était très belle, cette revue. Très, très, très bien faite, très bien pensée, dans le sens graphique. Hein. Après, les articles, c'est autre chose. Et je sais que j'en garde un souvenir maintenant, en tant que dessinateur et quelqu'un qui est... Moi, je fais mes maquettes moi-même pour les livres et tout ça. C'est vrai que c'est une de mes références. C'est pas quelque chose auquel je crois. De toute façon, Bergier n'y croyait pas non plus. Hein. Après, il a beaucoup écrit sur les soucoupes volantes, et tout en disant en privé que les soucoupes volantes, il n'y croyait absolument pas. Mais c'était un truc comme ça, lui. On en parlait hier soir, justement. C'était un joueur, c'était un mystificateur. Donc, il aimait beaucoup jouer à ce genre de choses, quoi. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Powell s'y croyait, mais en tout cas, bon, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, mais pour en faire des images, ce n'est pas du tout que je crois à ces choses-là. Ce que j'aime bien là-dedans, ce sont les images. C'est le côté graphique qu'il y a autour de l'ésotérisme, des gravures alchimiques, toutes ces choses-là. Qui ont une espèce de puissance, justement, de mystérieuse, qui est très impressionnante, je trouve, et que j'utilise effectivement dans mon travail en bande dessinée. Je m'intéresse au monde de l'islam, oui, je m'intéresse au monde du judaïsme aussi, c'est une civilisation assez fascinante. J'y suis arrivé en m'intéressant au Moyen-Âge musulman. Et je me suis intéressé à ça, c'est pareil, quand j'étais enfant, j'étais passionné d'histoire, et à l'école, on nous apprenait l'Occident, en fait, c'était tout.
Puis moi, je me disais, oui, mais il s'est passé des tas de choses à l'époque de, je sais pas, de Philippe Auguste. Qu'est-ce qui se passait ailleurs? Qu'est-ce qui se passait en Chine? Qu'est-ce qui se passait en Iran? Qu'est-ce qui se passait là? C'était vraiment des trucs qui me travaillaient, quoi. Et quand on avait la carte, je me souviens, moi, je regardais vers l'Est pour voir, mais oui, mais... Et après... Et mon intérêt est venu de là, de savoir qu'on vivait dans un monde, et puis à la limite, qu'est-ce qui se passait chez les Aztèques que personne ne connaissait, dont personne n'avait conscience, ni en Occident, ni en Asie, qu'est-ce qui se passait là, à cette époque-là, quoi. Et puis, bah, du coup, j'ai creusé, c'est devenu un intérêt d'adulte, et je continue, là, je suis en train de lire un livre sur les hérésies en Iran au début du Moyen-Âge musulman, qui est absolument passionnant, je trouve, qui a pas mal d'écho avec ce qui se passe maintenant. Et c'est un peu le travail qu'on fait avec Jean-Pierre Filiou, donc c'est de voir les choses dans la continuité, sur la longue durée, comme il dit, et c'est-à-dire de retrouver les racines des conflits qu'il peut y avoir maintenant ou des problèmes qu'il peut y avoir maintenant.